Hey, salut tout le monde, c'est Brick Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle live construction, celle que je vous avais dit. Donc, live construction d'un set, donc cette fois-ci Lego Star Wars, donc référence 76, 75, pas, 75 000, pardon, 76, République Gunship, donc c'est un micro-fighter. Donc, c'est de la série 2, donc sorti en 2014, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc le Gunship, voilà, avec son clone. Le clone en 1-1, ce qu'on peut faire avec, voilà, et puis les différents microfighters. Donc, bah j'ai aucun de tout ça, j'ai juste la série 1, moi j'ai le X-Wing, voilà. Donc on va l'ouvrir tout de suite, donc on a un grand sachet et un petit sachet comme pour le live construction, bah comme pour le set Lego Marvel Super Hero, donc Iron Man vs Ultron, voilà. Donc la notice, bon, ça va, elle est moyenne, voilà. De comparer par rapport à la notice de Iron Man vs Ultron, vous voyez quand même que c'est assez énorme. Voilà, vous voyez qu'elle est vachement plus grande. Bah, celle de Marvel. Donc on va commencer tout de suite, je vais ouvrir les sachets. Le premier sachet et le deuxième. Donc, on va d'abord commencer par construire le vaisseau et on finira par le personnage comme d'habitude. Donc on commence par prendre une pièce 2 fois 8, ouais, 8 grises foncées. Sur cette pièce, on va mettre deux pièces 1 fois 2, bah comme ceci, voilà. Ensuite, bah on en met deux, pardon, sur l'avant ou sur l'arrière. Hop, voilà. Ensuite, on va mettre une pièce 1 fois 2. 1 fois 2. Blanche. Voilà. Et on va faire. On va mettre 4. Bah, 2 de chaque. Bah, 4 pièces. On va mettre 4 pièces. Donc, on remet les pièces qu'on a mis en premier. Donc, on en met 2 de chaque côté. Donc, 4 en tout. On va pas jusqu'au bout. Hop. Et hop, voilà. Ouais, ça a l'air d'être bon. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite, donc ça on laisse de côté. On va prendre une brique. Je suis fatigué. Oula, voilà, une brique comme ça. Sur cette brique, on va mettre une brique 1 fois 2 grise claire et deux briques 1 fois 1 avec un tenon devant. Voilà. Ah, vous voyez pas, je crois que c'est une pièce normale. Voilà, comme ça. Donc c'est pas bien dur, hein. Sur les tenons qu'il y a à l'avant des briques, on va mettre une pièce 1 fois 2 avec un seul tenon. Alors je l'ai vu, ouais, voilà. Là. Hop. Voilà, ça va être l'arrière, je pense. Ouais, ça va être l'arrière. Et on va mettre ici deux pièces 1 fois 2 avec sur un tenon une forme de fromage, bah une forme de pièce fromage. Donc c'est grise foncée celle-là, pas la grise claire. Et l'autre, voilà. Et donc ça, bah attendez, hop, voilà. Donc ça donne ça. Donc ça, on met ça ici, voilà. Hop, voilà. Ensuite, donc ça on laisse ça encore de côté. On prend une pièce 2 x 6 blanche. Sur cette pièce, on va mettre de chaque côté alors des briques 1 x 2 avec donc d'un côté des traits à la verticale et d'un côté les traits à l'horizontale. Et donc ça on met des deux côtés. Donc alors horizontale comme ça, voilà. Voilà. Ici, on va mettre donc une pièce que j'ai eue aussi dans mon premier micro-fighter. Donc, c'était le X-Wing. Mais je sais qu'il est dans d'autres sets parce que j'avais déjà eu, mais je sais plus lequel. Ah, si, c'était dans Shadow Trooper, voilà. Ensuite, ah bah, ça y est, ça c'est fini. Donc, ça, on met ça alors là. Hop, c'est tout, oui. Par contre, il n'y a pas un problème. Ah non.
Chelou. Voilà, donc ça donne ça. Donc là, c'est l'arrière, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. L'arrière. Ensuite, bon, là, on va commencer à savoir, à différencier l'avant et l'arrière. Donc, on va mettre des pièces vertes. Donc ça, pour les fans de Star Wars, je pense que vous savez les couleurs. Donc c'est une brique, une fois une, avec juste un tenon. Bah, un tenon. Il n'y a pas de trou, en fait, si vous voulez. Alors que là, vous voyez, là, il y a un trou. Voilà. Donc verte. On va mettre des pièces. Bah, une brique plutôt comme ceci. Donc qui va vraiment faire ressortir la forme du gunship. Voilà, là. Hop. Et je trouve en plus qu'il est pas mal le microfacteur là. Parce qu'il y en avait. En fait, je m'étais donné un budget pour dépenser des Lego. Et j'ai vu le set Avengers 2, je me suis dit j'avais vraiment envie d'acheter. Et du coup, il me restait un peu d'argent. J'ai acheté celui-là qui était à 10,99 je crois. Et l'autre était à 16,99. Voilà. Donc ça donne ça. Ensuite, on va mettre une pièce bordeaux. Voilà. Donc les couleurs du gunship. Donc ici, sur les briques. Sur cette pièce, on va mettre une pièce fromage transparente, donc pour faire la vitre. Voilà, comme ceci. C'est bon. Hop, voilà, donc on reconnaît bien. Hein. Donc ici, attends, oui, j'ai oublié des trucs. Donc on met sinon deux pièces, une fois deux, avec une barre grise claire. Donc on en met une là et une là. Là, ça va être accroché pour accrocher les ailes. Et ici, on va mettre une pièce 2x2. Donc, comme c'est. Oui, mince. Voilà, arrondi comme ceci. Donc, ça, on va pouvoir mettre ça comme ça. Voilà. Et ici, donc il y a un 2x2 libre. Donc, on va mettre une pièce 2x2 planche. Voilà. Ensuite, au-dessus là, on va mettre une pièce. Radiateur grise et clair. Et oui, monsieur. Attendez que je la trouve. Voilà, là. Donc ici. Et ici, une pièce encore verte. Donc une basique, hein, une fois deux. Mince. Voilà. Vous voyez bien. Voilà. Ensuite. On va mettre des lasers, bah des canons. Donc on prend des sabres laser non métallisés, bah pas vernis, hein. Bah je sais pas comment je sais pas ce qu'ils mettent, mais ça brille pas quoi. C'est une sabre laser gris normal. Et donc ça, on les accroche avec des une fois une avec un crochet gris foncé. Alors ils mettent comme ça. Donc on en met 2, donc on fait ça fois 2. Voilà, donc on a le sabre laser. Voilà, vraiment, là c'est bon. Voilà, ça donne ça. Ensuite. Donc on va ici mettre une pièce. Bah, on va d'abord prendre une pièce une fois 3 blanche. Ici, on va mettre une pièce avec un. Non. Voilà, avec un. Mince, un imprimé. Donc, c'est le signe de la République, si je dis pas de bêtises, parce que je suis vraiment plus à fond dans Star Wars, donc je peux dire des conneries. Vous pouvez me corriger, hein. Voilà, et vous mettez une pièce une fois une. Donc celle-là était lisse, hein, celle-là avec un tenon. Et sur la pièce avec tenon, on va mettre encore une pièce une fois une circulaire. Et cette fois-ci transparente, avec un tenon encore. Donc ça, on met ça sur le côté là. Et bon, on fait pas encore l'autre côté, mais on va prendre une pièce. Ah non, c'est pas celle-là, c'est l'autre forme. Voilà, celle-là. Donc on va mettre une comme ça. Donc ça, c'est pour pouvoir faire. Ah, c'est vraiment bien, bien fait. Parce qu'il y a en fait ça. Dans le vrai gunship, en Lego et en normal, il y a des portes en fait, ça s'ouvre et ça se ferme. Voilà, le principe du porte quoi. Et on met ça aussi là. Et alors, une pièce fromage.
et une fois deux fromage. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire les canons donc sur les côtés, donc ici. Donc on prend une antenne. Donc comme ceci, voilà, et on l'oriente vers là. Donc là, on reconnaît vraiment bien le gunship. Donc sauf celui de l'autre côté qu'on va faire maintenant. Donc là, on le reconnaît bien. Et même sur les ailes. Voilà, donc ensuite on va attaquer l'autre côté. Donc on prend une pièce, une fois de blanche. Ici. Et hop, on est passé de l'autre côté. Ah non, on peut faire ça. Et une pièce une fois deux avec un crochet. Donc c'est. Je sais pas pourquoi c'est différent des deux côtés. Ouais, je sais pas. Et donc là, on prend encore une pièce une fois trois blanche. Donc d'un côté, on met une pièce avec le decals. De l'autre côté, on met une pièce avec un tenon gris clair et une pièce circulaire transparente. Voilà. Et donc ça, on met ça. Ouais, comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre donc une pièce comme ceci encore. On vous la met comme ceci. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, c'est pas assez bizarre. Donc on va mettre l'autre canon. Voilà. Ensuite, on prend, on fait la même chose que de l'autre côté. On prend une pièce fromage une fois deux et une pièce fromage une fois une. Voilà. Ici. Et là, on met une autre pièce encore, comme ceci. Voilà. Donc ça, on met ça de côté. Voilà. Et maintenant, alors je sais pas ce que c'est. Doit être les ailes, je pense. Ça doit être les ailes. Donc, on prend une pièce 2x2 grise foncée. Dans cette pièce, on va mettre deux pièces 1x1 avec un crochet donc foncé encore. Voilà. Ensuite, on va mettre une pièce 1x2 blanche de ce côté-là, voilà. Et deux pièces une fois deux avec un tenon comme ça, donc c'est gris clair. Alors, est-ce que c'est une pièce nouvelle? Je pense pas, parce que ça paraît trop banal. Mais après, c'est possible. Sinon, ici, on va mettre une pièce une fois trois. Et là, on va mettre une pièce une fois deux. Hop, voilà. Comme ceci. Là, on va mettre une autre pièce L. Bah, une pièce comme ça. Je dis que c'est une aile parce que c'est souvent utilisé pour les ailes. Ici, on va mettre une pièce une fois une circulaire transparente. Et ici, une pièce une fois une bordeaux. Donc, ensuite, on va mettre une pièce alors comme ceci. Donc, avec des tenons ici. Des tenons ici, pas des tenons mais le dessous de tenon, et là le dessous de tenon, et là pas de tenon. C'est un peu bizarre comment je dis la définition, mais bref, c'est comme ça quoi. On la met comme ça, et on va faire les répulseurs arrière. Donc on prend une brique 2x2, donc rond, avec des traits verticaux. Voilà, et on met ça ici, et. Une tête de droïde à moitié, comme ceci, et une pièce, ouais, comme ceci, grise métallisée. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Et donc, ça, on met. Alors, avec les crochets ici, on va mettre ça ici. Attendez, je regarde. Ah mais d'accord. Donc ça, on va faire la même chose mais côté miroir. Bah effet miroir.
Donc on prend une pièce une fois deux, deux fois deux, pardon, excusez-moi. Deux pièces une fois deux avec un crochet. Une pièce une fois une blanche, une fois deux, putain, blanche, excusez-moi. Deux pièces une fois deux avec un trou de friction. Voilà. Pas de friction, de un rond quoi. Une pièce une fois trois. Comme ceci, et une pièce une fois deux. Une pièce L. Comme ceci. Une pièce transparente, une fois une circulaire. Et une pièce une fois une bordeaux. Normalement c'est tout. Oui. Et là on fait le répulseur donc. Répulseur ou le propulseur? Non, je crois que c'est le répulseur. La brique. La tête de droïde. Hop. Et la pièce métallisée. Et donc on fait la même chose, on accroche avec les crochets. Et celui-là on peut plus se plier et celui-là moins. Bah. Parce que vu que là, là ça bloque, mais là ça bloque pas. Donc ensuite, ouais, voilà, on va faire ça. Donc on prend une brique 2x2 circulaire blanche. Sur cette brique, on va mettre une brique comme ceci, voilà. Petit chapeau en bordeaux. Une pièce noire, une fois une circulaire. Et ici, on va mettre une barre friction. La taille, c'est pas mis. Bon, elle est moyenne. Voilà, et on enfonce à fond. Ouais, c'est bon. Et donc ça, on va mettre ça dans les trous ici qui vont passer jusqu'ici. Ah, ça passe nickel. Je le reconnais bien. Donc ça, on fait la même chose. Hop. C'est facile, hein. Voilà. Ensuite, alors maintenant c'est tout. Ah non, il reste les missiles. Donc avec bah un Flakefire missile et un embout. Vert transparent dans ça, le met dans les trous qu'il y a ici. Voilà, et c'est tout. Voilà, donc on a fini. Donc les pièces qui restent, donc un plaster quand même pour lui. Alors, ça c'est pas mal, les pièces qui restent. Donc, un petit poignet sabre laser, une petite pièce fromage transparente. Une petite antenne, donc ça c'est plutôt cool. Des petites pièces, voilà comme ça, hein. Fromage, une pièce une fois une plate. Ah, en plus avec, ah bah il reste une comme ceci avec le signe, bah, je crois. Ouais, je pense. Ouais, donc avec merde, l'imprimé, voilà. Sinon c'est du mana, du banane. Ensuite on va construire le clone. Donc le bas, ça c'est un des clones normaux, hein, des genouillères. Le corps, donc un corps de pilote. Donc à la base c'est un corps de clone normal avec un petit truc respiratoire je crois, ou je sais pas trop à quoi ça sert de rajouter dessus. Et à l'arrière ça change pas. Sa tête. Donc banal, hein. Voilà, colère et son casque, j'aime beaucoup. Casque jaune avec les signes rebelle. Je sais même pas ce que c'est, je confonds toujours. Je crois pas que c'est rebelle. Non, c'est pas les rebelles. Bref, un signe, voilà, le signe voilà, qu'on retrouve sur le vaisseau. Donc celui-là, voilà, celui-là, voilà.
Et donc il a un petit blaster qui fait plaisir. Voilà le clone. Voilà. Donc on va l'asseoir dans son Tegan Ship. Donc il reste pile la place. 2x2. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, live construction finie. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne et à liker ma page Facebook. Sur ce, je vous laisse et puis salut! Salut!